Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais ma première vidéo sur cette chaîne dont le nom est La Petite Aile de Mer. Comme vous pouvez le voir, j'ai un personnage dragon et ce dragon, c'est justement un aile de mer! Voilà. C'est un aile de mer avec des écailles lumineuses. Sur cette chaîne, je ferai des vidéos sur Roblox. Voilà. On a le petit signe Roblox, que c'est un jeu Roblox où je suis. Comme celui-ci. Ce jeu-là, c'est le jeu Wings of Fire Early Access. J'espère que c'est bien comme ça se prononce, le nom du jeu. Qui est un jeu qui fait référence au livre Les Royaumes de Feu en français, qui est traduit en anglais. Je jouerai aussi à Dragon Life, qui est un autre jeu de dragon, mais pas du tout de la même sorte. Au jeu La Guerre des Clans, ou peut-être qui s'appelle Warrior 4 pour certains. C'est aussi un jeu tiré d'un livre, qui s'appelle La Guerre des Clans, le livre, justement. Et je jouerai aussi à Klaus, qui est un autre jeu de chat, mais totalement, on va dire, dans un univers un peu magique. Et au jeu Animal Simulator. Tous ces jeux sont sur Roblox. Et j'essaierai de faire de l'animation parce que j'aime beaucoup dessiner. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire de l'animation? Ça a l'air sympa. Voilà, alors là, je suis sur le jeu Wings of Fire. Je vous montre un petit peu vite fait qu'est-ce qu'on peut faire. Là, il y a le soleil, il y a les ombres. Je vais voir si la qualité graphique est au maximum. C'est bon. C'est beau. Par exemple, dans ce jeu, je vous montrerai des choses très simples. Il y a surtout des Anglais, par contre, dans ce jeu, dans Klaus et dans Warrior 4, c'est juste le petit truc qui fait qui pour enfin, s'il y avait plus de Français, ça serait encore un meilleur jeu, quoi. Vu que ça est déjà des très bien. Après, il y a des Français, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, il y en a, mais ça peut être rare des fois. Là, je vous montre comment on fait une maison, mais je devrais d'abord vous montrer pourquoi. Juste une petite précision. J'ai essayé plusieurs fois déjà de faire cette première vidéo, mais il y avait un problème à l'enregistrement, j'arrivais pas à avoir le son. Alors voilà, du coup, je vous montre. Là, on peut pêcher. Pour que on ait bien le poisson, il faut que on appuie avec la souris ou avec le doigt si on est sur téléphone ou tablette. Puisque moi je suis sur ordinateur. Il faut appuyer quand le trait blanc est dans le carré vert. Et là on a un poisson et ça nous donne des écailles. Là regardez bien le chiffre des écailles. J'en suis à 350. J'ai un poisson. Il monte. Et avec ces écailles, on peut acheter des objets comme cette bougie pour décorer la maison. Je vais vous montrer comment. On achète tout ça à un magasin qui est tenu par des ailes du ciel. Ce qui me semble logique car nous sommes dans le royaume du ciel. Je vous invite vraiment à lire le livre, oui, Les Royaumes de Feu. Non, je suis allée dire Wings of Fire parce que c'est le titre en anglais et que du coup je dis Wings of Fire le plus souvent. Voilà, il faut cliquer sur ce dragon pour voilà, je clique sur dragon normalement. Ça marche pas.
Voilà, il faut être debout en fait. Et moi, j'ai déjà tout. Voilà. Ça s'achète avec ça. Voilà, close and save. Bref, ce que je disais juste avant, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Il est vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a un aile de mer, un autre aile de mer qui est enfermé. Mon pauvre. Désolé, je peux pas te libérer. J'ai pas la clé. Voilà, du coup, avec ces objets gagnés, enfin plutôt achetés en quelque sorte. Alors juste petite précision, ce jeu, pour y jouer, il faut 60 Robux. C'est juste pour vous le dire, au cas où, voilà. Eh mais non! Aile de glace, tu rentres pas chez moi! Rentre pas chez moi! Sors, STP! Mais purée! Je suis pas anglaise! Mais qu'est-ce que t'as là? Mais dégage, l'aile de glace. Je ne veux pas de toi. Pour pas qu'il revienne, je vais bien. Allez, sors de chez moi, 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 sors de chez moi. Bon, je crois que ça ira. Par contre, tu me suis pas, l'aile de glace. Alors, j'en étais où, moi? Je mets un. Un pig. Voilà. Je mets une petite table dans l'autre sens. Ah mince! Oh, tant pis. J'ai pris une grande maison alors que je voulais vous montrer comment faire une petite. C'est pas grave. Oh, c'est le coucher de soleil. Je peux pas vous faire louper ça. Regardez le soleil qui se couche au loin. Et la lune, elle va se lever par là-bas. Ah, voilà. Vous voyez, on entrevoit du blanc. Là, voilà, c'est la lune, tout ça. Le palais du ciel est entièrement dans l'ombre. La lune se lève. Bon, en attendant, je vais finir ma maison. On retournera voir la belle lune. Eh, mais non, toi là depuis, non, 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 non. Non, non, et non.
Vucy, Nessie, Quing. I am no speak English. Je parle pas anglais. Voilà, merci d'être parti de chez moi. Non mais, tu veux pas sortir elle de glace? Il va commencer à m'énerver, lui. Je vais juste l'ignorer et faire ma jolie maison tranquillement, sans penser à cette aile de glace qui me pourrit. La construction de maison. Une autre table avec des parchemins. Je vais mettre deux endroits avec de l'eau et du poisson près de mon lit et juste près de la pierre. Vous voyez comme c'est beau, l'ombre des bougies. Et je vais faire un tapis. Un magnifique tapis blanc pour couvrir le reste de la pièce. Limite 20 trucs. Bon, tant pis. Je vous montrerai une autre fois ce qu'on peut faire dans la prochaine vidéo. Je fais une vidéo demain vers 14h. Alors, elle sortira aux alentours de 15, 14, non, de 14-15h. Ça sera une vidéo sur les ailes de sable. Je vais faire une vidéo déjà pour commencer sur ce jeu, un peu sur toutes les espèces pour vous les présenter, vous dire des choses sur elles, comment on les joue dans ce jeu. Du coup, juste retenez bien, ce jeu, c'est 60 Robux. Après, il y a des passes. Normalement, le tout, si je me rappelle bien, ça fait 390 Robux, le jeu et tous les passes. Il y a un pass à 100, un autre pass à 100 et un pass à 50. Voilà, alors maintenant c'est la nuit. Je vais vous montrer la lune qui doit être autre dans le ciel. Voilà. Voilà la lune et les étoiles. C'est beau. Maintenant je vais rentrer et dormir. Non, je vais pas dormir. Quoique si. Bon, voilà. Voilà. Et voilà. Bon, en fait, non. Voilà. Je monte sur la table. Ah oui, et je vais vous montrer un petit truc. C'est pas très très important. Mais bon, c'est pas grave. Regardez la queue. Non, je vais vous montrer plus bas. Ça se voit pas là. Regardez bien ma queue. Ma queue me suit.
Bref, vous voyez, ma queue me suit, c'est stylé. Si je fais un vide, je vais essayer de pas trop faire vite. Voilà. Oh, le lever du soleil. Et bah, pour le lever du soleil, on va aller à la plage. Ce jeu est magnifique. Personnellement, je trouve que les réalisateurs ont fait de gros efforts. Il y a encore beaucoup de choses à faire qu'ils pensent faire. Voilà. Et franchement, c'est vraiment du gros boulot. Et je pense que c'est... Enfin, à mon avis, c'est vraiment super. Et du coup, sur ce, je vous dis à bientôt. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo demain. Bye!